Le plus gros obstacle des musiciens amateurs et pourquoi vous voulez le surmonter au plus vite. Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler, tout est dans le titre en fait. Sans transition, c'est quoi? Le plus gros problème en général, c'est que quand on est amateur et qu'on ne sait pas narrer sa musique, qu'on ne sait pas la structurer, qu'on ne sait pas la développer, on a tendance à écrire une idée musicale, un petit truc comme ça, un riff, une petite progression d'accords, et on a tendance ensuite à la répéter, à la faire tourner en boucle, et à la peaufiner, en rajoutant une petite mélodie, en rajoutant un accompagnement rythmique, une nappe derrière, des sonorités, voilà, une petite voix. On peaufine cette petite idée musicale qui finalement ne dure que quelques mesures, et on ne va pas plus loin. Et le problème, c'est qu'au final, on reste avec une super méga loupe de la mort qui tue, très bien léchée, genre parfaite, qui tourne parfaitement bien sur elle-même, mais qui ne mène nulle part, qui n'est pas développée du tout. Et en plus de ça, c'est difficile de la développer parce que justement, elle tourne trop bien sur elle-même. Et ça, ça bloque la créativité en fait. Surtout si on a tendance à la réécouter comme ça en boucle, parce qu'on va s'habituer, on crée une anticipation sur cette boucle, on anticipe le retour à la première mesure. Et donc le fait de répéter, de réécouter tout le temps la boucle qui tourne, on se cloître en fait, on se cloisonne. On cloisonne notre esprit comme ça. Et on est incapable ensuite de trouver un développement parce que dans notre esprit, c'est comme ça. On s'est nous-mêmes bloqué tout seul. Et ça, c'est un problème que je vois souvent, c'est que les musiciens amateurs ne savent pas trouver de suite à leurs idées parce qu'ils ne savent pas comment faire pour le développer. Et alors, pourquoi vous voulez le surmonter au plus vite? Parce que à force de créer des dizaines et des dizaines de petites loupes comme ça, qui tournent très bien sur elles-mêmes et qui ne mènent nulle part, eh bien, vous allez vous décourager. Vous allez vous décourager de ne jamais finir une composition en entier. Et ça, je le sais très bien parce que c'était mon cas il y a un petit bout de temps. Ça m'est arrivé et on a une perte de confiance en soi qui est gigantesque. Et moi-même, pendant cette période, j'avais une grosse perte de confiance en moi-même, en mes capacités à finir un projet et à le mener à bien. Mais heureusement, c'est assez facile de passer ce blocage. Principalement, et ça, j'en ai déjà parlé sur la chaîne et sur le site, pour trouver un développement à une idée, il y a une structure générale qui fonctionne très bien, c'est la structure antécédent-conséquent. Moi, j'appelle ça la structure ERC, exposition, répétition, contraste. En faisant ça, en exposant un thème, en le répétant, puis en le contrastant avec quelque chose de très différent, on crée une articulation dynamique qui n'est pas trop plate, qui n'est pas trop lassante, mais qui n'est pas non plus trop surprenante, trop bizarre, trop inattendue, trop... voilà, c'est un déroulement qui est assez fluide, et qu'on comprend et qu'on peut suivre en tant qu'auditeur. Voilà, c'est un exemple de structure que vous pouvez utiliser pour aller autre part. Et surtout, en fait, pour le contraste, ne cherchez pas à faire une transition super smooth, super léchée, juste posez une idée et vous verrez après pour la transition. Faites d'abord une exposition, une répétition avec quelques petites modifications, histoire d'avoir un petit peu de saveur un petit peu tout le temps. Exposition, répétition et contraste, sans forcément faire de transition, juste, pof, coller les idées les unes à côté des autres. Voyez ce que ça donne. Forcément, il va sûrement y avoir des problèmes de transition, mais ça, c'est dans un second temps. Vraiment. Les transitions, l'art de la transition, c'est un domaine en soi, mais déjà, le fait de mettre une idée différente à la fin de votre petite loupe fait qu'elle ne va pas boucler sur elle-même, et ça va vous donner envie d'aller plus loin, en fait. Parce qu'il va y avoir ce manque. Il va y avoir cette envie de... il manque un truc, il faut rajouter. Tu vois, il faut aller plus loin. Alors que si on le boucle parfaitement bien, ben il manque rien et l'esprit il est totalement satisfait par ce qu'il entend. Et c'est comme ça que ça cloître et qu'on n'arrive pas à développer. Voilà pour cette vidéo, assez court. Je ferai une foire aux questions demain, alors n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires ci-dessous. Allez, salut! Merci d'avoir regardé cette vidéo, et pour aller plus loin, sachez que je dispense une masterclass gratuite ce dimanche pour vous aider à passer de musicien amateur à compositeur inventif. Inscrivez-vous à la masterclass, ça va être très riche en informations. C'est une masterclass qui est interactive, vous allez pouvoir me poser directement vos questions également. Lien dans la description, salut !